Aujourd'hui les gars, nous allons jouer à Minecraft sur la série Naruto qu'on s'était faite il y a déjà un moment. Donc on est à peu près à l'épisode 3. Ce qu'on va faire les gars, c'est que nous allons miner pour nous créer une tour à mob afin qu'on puisse développer notre niveau de jeu beaucoup plus rapidement que la normale, voilà. Évidemment les gars, cette vidéo, je l'ai tournée en live sur Twitch sur la chaîne La Bande to Kill. Donc qu'est-ce que c'est que La Bande to Kill les gars? C'est une team de petits youtubeurs comme tel que moi. Et on est là pour évoluer ensemble, donc s'entraider ensemble. Donc n'hésitez pas les gars à vous abonner à cette chaîne que je mettrai dans la description, et ainsi que tous les membres de cette team que je mettrai aussi dans la description. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure les gars, cette vidéo je l'ai tournée en live sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas les gars à aller me rejoindre tous les dimanches à 9h. Donc n'hésitez pas les gars à nous rejoindre pour découvrir un petit peu en avance ce que je propose au tournage. Hop là, water gun. Non. Voilà, enculé. Multiclonage, Kagebono no Jutsu. Eh, Goro, calme. Y'a beaucoup de mobs ici là. Water gun. Wouah les gars, j'ai un manchast. Je sais pas comment ça s'appelle comme ça. J'ai une épée en fer, sérieusement? Ah ouais. J'ai un petit cœur là. Pour ceux qui se demandent les gars ce que c'est que le cœur, c'est des PV que je peux avoir en plus, c'est-à-dire voilà. Des PV genre dans ma barre d'inventaire, dans ma barre de heal. Je peux avoir des PV en plus. Et il faut tuer des mobs et ça va vous donner des cœurs. Alors, mais t'inquiète pas, ils n'attaqueront pas les Uchiwa, sachant qu'ils sont plus forts que tous les... Non! Arrête! Frère, Hokage, sous-estime pas le Hokage. Le Hokage, frère, il était chaud quand même. Si t'as vu comment il a joué avec le... Contre... Ouais, j'avoue quand même qu'à cette époque-là, c'était eux les plus chauds. Je comprends pas pourquoi en fait ils ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire en gros les Uchiwa? Ouais, y'a un cafard les gars, non ça c'est terrible. C'est terrible hein. Oh putain, c'est dégueulasse. Attendez, y'avait que le Hokage à cette époque là. Y'avait le troisième Hokage je crois, non? Et Minato il était mort. Oh putain, une araignée empoisonnée. Je vais te tuer. Non, je vais pas mourir. Viens toi. C'est de l'eau ça? Ouais. Foudroyer. En plus les Uchiwa ne prévoyaient pas. Oh merde. Ne prévoyaient pas? Comment ça ils ne prévoyaient pas? Et les gars, je veux des cœurs moi, je veux des cœurs. C'est du gold ça non? Ouais c'est du gold. En plus je peux voir les bugs, c'est vrai que je peux voir des bugs et ça. Ok. Et j'ai pas mal de fer hein. Je viens d'arriver, j'ai déjà 30 de fer. Aïe aïe aïe. Merde, non y a... Non je suis empoisonné frère. Ok là il va falloir que je fuis. Non là je vais peut-être mourir hein. Kagebuno no Jutsu, let's go. Protège-moi. C'est pourquoi t'es invisible toi? Eh les gars je vais mourir. Non non non, je vais pas mourir, pas maintenant. Eh frère, je ne mourrai pas, compris? Je ne mourrai pas, gros. Ils allaient rien faire, juste leur taf de flic. C'est vrai? Pour de vrai? Non, mais en fait, je sais même pas ce qu'ils allaient faire à les Uchiwa. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que... Ils allaient faire une guerre, voilà, une guerre de civile. Non, casse-toi frérot, non. Oh mec. Encore un. Je vais mourir. Je me prends encore un coup de truc, je meurs.
Ouais, du coup, tout à l'heure, je disais quoi? Je disais, qui aurait par hasard regardé déjà vu Haikyuu? C'est un animé que je regardais là il y a quelques temps et que j'ai fini d'ailleurs. Et vraiment, c'est vraiment une pépite, hein. Je m'attendais pas à une telle découverte en fait. Enfin, je connaissais déjà de nom en fait l'animé ou le manga ou ce que tu veux, mais j'ai jamais. C'est quoi? Pourquoi il y a grave des trucs comme ça là? Du saphir peut-être, non? Ouais, c'est un animé que. J'étais jamais très très très. J'étais jamais très intéressé dessus. Parce que c'est un animé de sport et les animés de sport, c'est pas trop. J'ai des préjugés dessus, donc c'est pas trop le truc auquel j'irais. Maintenant, du diamant? Vraiment? Mais c'était du diamant ça là? On est en quelle couche? On est en couche 20 et j'ai du diamant. N'importe quoi les gars, je sais. De folie. Et là, tu sais, je suis en train de me moucher, frère. Je suis en train. Il y a un creeper qui arrive. Il explose, je meurs. Et en plus de mourir, tout le diamant il disparaît, tu vois. Ça serait la pire chose pour moi. Ça pourrait m'arriver. Ouais, je pense que je quitterai, ouais. Et je recommencerai plus. Pourrait aussi me faire une pioche en diamant en vrai. J'ai 5, je me fais. Même s'il me faut 2, 3, avec 3, je peux pas. Ouais, il faudrait que je continue encore un petit peu là. Il faudrait encore un petit peu plus de diamants. Bah là. Mais c'est quoi la blague, gros? Y a pas de blague là. Tu connais la différence entre une femme et une pizza? Bah, la pizza, les champignons, c'est une option. Et entre autres, la pizza comparée à la femme, on peut la commander sans champignons. C'est quoi le point commun entre une pizza cramée et une femme enceinte? Et ça, je sens que ça va être. Ça part en couille, ça. Ok, vas-y, vas-y, dis-moi, c'est quoi l'option? C'est quoi les points communs? Et une bière trop froide. Et une bière trop froide. Ok. Donc, attends, attends. Donc, le point commun entre une pizza cramée et une femme enceinte et une bière trop froide, c'est ça? Ok. Pourquoi toujours les femmes? Bon, bref, vas-y, 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 dis-moi. Dans les trois cas, un mec l'a retiré trop tard. Oh les bâtards. Non. Là, tu vois. Là, tu vois, ça, c'était pas comme l'autre blague, là. Avec la différence entre une pizza et je sais pas quoi, là. Voilà. Là, c'était compréhensible. On a compris le point de vue que t'as voulu nous transmettre derrière cette blague-là. C'est vraiment dégueulasse, hein. Mais c'est bien trouvé. Alors. Ce qu'il fallait que je fasse, c'était quoi? C'était ça. 1, 2. Ok. Maintenant, les entonnoirs. Là. Comme ça. Et là, maintenant, je. T'as capté? Voilà, derrière. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est la base de la tour à mob que le mec qui voulait que je fasse, quoi. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Par la suite, en fait, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je pose des trappes. À cet endroit, de cette manière-là, là. Et logiquement, si par exemple je fais ça, on va directement venir là. Là, les choses sont carrées. Ok. Et il me semble, si je ne raconte pas de bêtises, c'est que moi, vu que moi je veux pouvoir tuer mes mobs, alors il va falloir que j'aille jusqu'à minimum 20 de hauteur. De hauteur, ça fait quand même un sacré. Et un sacré bout de chemin. Voilà, donc là maintenant, ça va faire quoi? C'est qu'on va faire de cette main. Enfin, on va continuer comme ça jusqu'à pendant 8 blocs d'affilée, comme ça là. Et on va devoir établir ce petit chemin de 8 blocs sur les 4 côtés. En gros, je vais devoir recouvrir toutes ces parties-là avec un bloc de hauteur de plus que les petits chemins que j'ai fait en fait. Et ça, en fait, les petits chemins, en fait, c'est là où lequel il y aura de l'eau. Et c'est comme ça que les mobs, en fait, ils passeront. Enfin. Seront directement dirigés vers le. Vers le. Bah, vers là-bas en fait. Parce qu'à ce qui paraît, les mobs en fait, ils recherchent toujours à être le plus bas possible. Je sais pas, c'est d'après le gars qui dit ça. Donc, bon. Ils vont donc directement vouloir aller sur le bloc le plus bas. Et vu qu'ici, il y aura de l'eau, bah, ils seront dirigés vers le bas et ils vont mourir, quoi. Donc, ouais. Donc là, il faudrait que je fasse. Donc là, il va falloir que je fasse effectivement les 3 de hauteur, enfin 2 de hauteur. Je ferme le toit. Mais ça.
Même ça, voilà. Donc d'abord, il faudrait que je fasse les trappes. Que les mobs ils tombent. Parce que quand les mobs ils vont voir qu'il y a de l'eau, bah, ils vont me dire que quand même là, il y a un aiguille sous roche, tu vois. Et ils vont pas venir directement. Et donc, vu qu'il y a ça, bah, je sais pas comment ça fonctionne en fait, le système de Minecraft, mais ça, ça va aider pour. Ne t'inquiète pas, ça va aider. C'est très utile. Et voilà. Et je crois qu'il y en aura même pas assez en fait. Ouais, il y en a pas assez. J'y crois pas, frère. Voilà, et ça, je le pose comme ça. Et. Ouais, mais là, c'est pas assez. Je crois que c'est un peu trop loin, non? Bon, en tout cas, ça. Ça, je le finirai de mon côté. Parce que la flemme de finir ça, tu vois. Voilà. Attendez. Ah, il a pris ça, le son journée mob. Le mode de la carte en haut. Ouais, c'est journée mob en fait, c'est ça. C'est plutôt pratique. Hein. C'est même très pratique.